Salut tout le monde, c'est Aldezo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur Outlast. Donc je pense que c'est le dernier. Bon, ma manette bug toujours autant, c'est génial. Donc voilà, comme vous rappelez, on venait juste de sortir de là-dedans, de cet ascenseur sur lequel mon chirurgien a péri. J'aimerais bien trouver des piles parce que je suis un peu dans le caca là. Un peu comme d'hab, à chaque fois qu'on commence une vidéo, j'ai plus de piles. Et à chaque fois qu'on commence une vidéo, je ne trouve pas de piles. Ça me fait énormément plaisir. Redemander des petites piles. Je le sens très mal en plus, mais je le sens mal. Voilà qui ne règle aucun problème. Il n'y avait pas de pile. Mais tant pis. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Oh, mais il prévoit jamais des piles dans le jeu. Je connais pas Patrick Petira. Franchement, il faut vraiment des piles là parce que je vais péter un plomb. Pendant le dernier gameplay, déjà je me, enfin franchement j'étais mal quoi. Bon, si on trouve pas de piles, c'est qu'il doit pas y en avoir vraiment besoin, je pense. Ça y est, la musique commence. Dans quoi je peux me cacher? Déjà les grandes salles comme... Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Ok. Sale bruit en plus. On y voit vraiment que dalle. C'est la canalisation. Ouh. Oh, Dieu se loué. Je suis tellement... Vous n'imaginez même pas. Putain mais... Oh, enculé toute cette fumée. Voici par contre mes piles, je vais bien les garder au chaud. Je vais pas trop les user. Ah bah c'est là où j'ai. Donc faut passer par où? Il va se passer quelque chose. Parce que je crois qu'il n'y a aucune porte qui est ouvrable.
porte est fermée alors qu'il y a un gros trou juste à côté. Arrête la caméra, putain c'est gavant ça. Vivement que j'ai ma nouvelle manette hein, parce que... ça devient impossible quoi, merde. J'en ai marre. D'ailleurs, il y avait vraiment rien ici. Arrête. Bon, comment je fais pour sortir? Parce que là, je fais un peu beaucoup demi-tour quand même. Il n'y a pas de petite musique stressante pour le moment. J'ai pas essayé d'ouvrir cette porte. On peut pas essayer de le... Tu veux pas booster un peu, je sais pas. On peut pas l'enlever lui. Oui. Bon. J'ai dû louper quelque chose en bas. Je sais pas, y a pas quelque chose pour partir là. Bon. Qu'est-ce que j'ai zappé? Ah. Ça. J'avais pas vu ce grand couloir. J'ai pu louper ce couloir quoi. Oh là là. Oh là là, vu tous les casiers qu'il y a. C'est des casiers pour se cacher, parce que je voyais que ceux-là ils étaient pas pareils. Et il me signale bien que je peux me cacher à l'intérieur quoi. Alors là quand je vais ouvrir la porte... Non même pas. Bon, il va me falloir des piles aussi encore maintenant. Vu que je me balade beaucoup, je les bouffe comme pas possible. Allez, cette pièce elle est en feu, je suis sûr qu'il va falloir y aller. Ok. Ah. Et sinon, à part ça... Non. Ah, que ça me gave. Ah.
Ah ouais, non, j'ai rien dit. Ok, j'avais pas vu. Bon, j'ai bien fait de pas le voir, sinon j'aurais loupé les piles. Là, je le sens mal. C'est le moment où je commence à... Ah, mais arrête de regarder tes doigts. C'est dégueulasse. All of it. Murkoff took so much from us, used us, turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Pas la cuisine d'abord. On va d'abord aller par là parce que normalement il y a quelque chose. Oh, t'as le bras bien rouge. Ils ont mal fait ça quand même. Il y a plein de trucs partout là. Alors je vois des sorties partout, ça va être la fin je pense quand même. Putain mais où est-ce que je m'aventure? Il m'a dit d'aller aux cuisines et moi je vais un peu n'importe où. Bah... Tu vois qu'il y a des choses à découvrir. La musique est partie, j'aime pas ça, c'est stressant. Ok, je comprends mieux. Bon, au moins, je sais qu'on peut pas y aller par là. C'est pourquoi il faudra aller par l'autre côté. Et bien sûr, il y a gros cochon qui nous attend.
T'es parti où? Faut se cacher là-dessous? Non. On va se cacher ici. Je sais pas où là. Merde. Vite, vite, vite. Je peux pas courir sinon il va me choper. Là, j'étais sûr, je vous l'avais dit dans le dernier épisode qu'on allait se confronter avec avec gros cochon avant de finir la partie. Mais par contre faut le laisser partir assez loin sinon. Donc c'est pas bon. J'espère qu'il était parti de l'autre côté parce que sinon je suis dans la merde. Merde, il est en face. Alors est-ce qu'il va me voir, ça c'est la question que j'ai. Putain, à chaque fois ça me remue les trucs. Eh ben gros cochon. Putain, si la manette bug pendant que je joue, ça va pas le faire. Donc je l'avais chié, enfin il était parti par la droite. Moi je l'entends plus. Oh, m'emmerde pas maintenant. Oh putain sérieusement. Doucement. Je sais pas s'il est parti. Et allez! Faut que je trouve un endroit où me cacher. Ou un endroit où m'enfuir. Y'a pas de casier. Ah si. Si, il y a deux casiers là. Il n'y a plus de piles par contre. Oh, que ça m'énerve. C'est bon, voilà. Ok, je suis venu ici juste pour des casiers. Ah. Enfin, au moins il y avait un truc à faire. Ça fallait s'en douter. Il m'a vu. Putain non gros cochon. Non, putain t'es toujours aussi beau. Ah. Oh con caray. Bon, fallait bien que je crève. Est-ce qu'il va venir jusqu'ici? Je crois bien que oui. Ah mais il y a un truc à faire ici. Actionner le système d'extinction automatique. Ok. J'avais même pas fait gaffe.
problème c'est que le jeu il stresse tellement que tu fais même pas gaffe aux missions quoi. Quand elle s'affiche. Vas-y, c'est bon, tu peux faire demi-tour. Il n'y a pas d'eau dans le système, vous devez tout d'abord ouvrir les deux vannes. Donc déjà j'en ai trouvé une. On va aller la pécho. C'est bon, il est pas là encore. Non, c'était là. Hop. On sait qu'il va venir. Donc, tac. On va l'attendre bien patiemment. Le respirer comme un gros cochon. Allez, casse-toi. C'est long par contre à chaque fois. Bon, c'est plutôt pas mal parce que c'est stratégique du coup. Et j'entends plus ses clés. Pas là. C'est clé que j'entends. Quasi. Vite. T'en prie. Dans cette autre pièce. Ouh, putain, qu'est-ce qui est dur à choper celui-là. Il est quand même plus facile que l'autre, hein, parce que l'autre, je me faisais choper, mais direct. Oh putain! Il va me voir là, c'est obligé. Juste au cas où, on va regarder vite fait. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Fallait qu'ils viennent. Oui, vas-y, tu peux faire demi-tour. En plus, à chaque fois, il met 50 ans, quoi. Putain, enfin, c'est pas trop tôt. Allez. Fais-moi le dire. Attends un petit peu. Là, il devrait pas m'entendre. La fenêtre à côté. Par où vas-tu partir? Putain, mais
bien sûr, toujours plus. Pourquoi il vient à chaque fois vers moi? Attends, je suis en train de me cacher, quoi. Si j'étais sorti, il aurait... Oh là là. Alors, comment je peux faire? Je vais le suivre un peu plus. Dès qu'il sort... 1, 2, 3. J'ai fait demi-tour, je crois pas. Ça sent le troll, ça sent le troll. Je l'ai eu. Oh putain, la chance. Maintenant. J'ai pas envie de mourir maintenant, franchement. Je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu. Et juste au cas où, Victor, je me suis fait choper ici. Voilà, c'est bien ce que je veux dire. Je le vois pas. Je l'entends juste. Que c'est stressant. Ok, je suis venu ici, mais enfin quoi ici? Non, c'est un cadavre. J'espère qu'il peut pas passer par l'autre côté, quoi, enfin par un autre endroit, parce que sinon ça va bien me faire chier. Oh, hush on. You'll have your turn. C'est juste au cas où il y a un enregistrement vidéo, là, les bordels. Attends, je sais ce qu'on ait trouvé cette clé. De quoi parles-tu? Bon. Un petit point de sauvegarde? Non, même pas. No complaining, we have to wash every little part. Ce sera qui le beau bébé tout propre, hein? Ce sera qui? Le beau bébé. Truc de psychopathe. Oh là, si je me fais choper, j'ai les boules. Chaque fois il se retourne, tu peux y aller. Non, bien sûr, il est parti à droite.
beaucoup de chance. Je vais y arriver, je vais y arriver. Vas-y. Eh oh. Retrouver le père Martin, mais c'était déjà ça tout à l'heure. J'écoute juste pour voir s'il arrive pas pour me... Pour au pire, il est tout ça. Ah putain ! Oh, qu'est-ce qui m'a fait peur ? Mais je sais où il faut aller. Ah ben... Ça va pas pour tout de suite. On l'entendait pas à cause de l'eau. J'espère que c'est la fin. Je sais plus par où passer. Alors là, immunisé contre gros cochon. Tout à l'heure le mec d'ailleurs, et il m'a fait rouler jusque là bas non. Oh, c'est chiant ça, c'est la deuxième fois que ça me le fait. De salle, c'est qu'il doit y avoir un dernier dossier. Voilà. Et là, on va se faire tuer. Martin. Ça par contre, ça me plaît pas trop. Je porte ici. Oh, c'est pas fini le jeu. C'est pas fini, c'est pas fini. Pas trop beaucoup ça. Je viens d'ici. Ça c'est la porte qui est située en clé si je ne me trompe pas. On va tout fouiller. Continuez les éclairs, là j'y vois plus rien moi. Un autre petit éclair s'il vous plaît. Comment tu veux que je joue? Là il y a un pan. Là il y a une allée. Que...
J'ai de la chance de trouver ça. Oh, alive. Are you? Êtes-vous en vie? Rien. Non. J'y vois rien. Enculé. Putain, ça me fait flipper. C'est pas lui qui est là? Oh merde, c'est un cadavre. C'est quoi qui m'a poussé? Ça m'a encore poussé. Puis... Ouh putain, c'est chiant. Ah oui. Donc j'imagine que maintenant on va certainement se faire buter par ce putain de fantôme. T'as bien ouvert les yeux. C'est pas ici. Merde, je suis plus sur le chemin. Ah là, ça fait flipper de voir franchement avec le tonnerre et tout. Oh, j'aime pas ce jeu. Putain, ça me fait flipper. Oui. Là. Voilà, ils ont dû pouvoir avoir des piles quand même. Sérieux. Putain, qu'est-ce que je donnerais pour avoir des piles. J'entends me pisser dessus, putain. C'est la fin des haricots. J'y vois que dalle, donnez-nous des piles, bordel. On peut même pas profiter du jeu.
Oh. Pff, putain, c'est pas trop tôt. Enfin, on y voit un peu plus clair déjà. Donc je sais qu'il faut monter par là. On va quand même aller regarder ce qui se passe par ici. Rien à récupérer, c'est bon. On se casse. Ok, maintenant ils nous font faire du Tarzan. Enculé. Ici. Encore des piles. Putain. Il suffit de demander quoi. Je veux pas qu'on rentre ici apparemment. Non, moi elle se touche. Qu'est-ce qui se passe? Putain, il me fait peur. Puis, quand la caméra s'enlève, on n'y voit que dalle. Il y a un seul bruit. Vas-y. Ces bruits. Ça me savait. Ah d'accord. Il fallait tomber en fait. C'est toi qui viens de parler? I can see his ghost. Moi aussi j'ai vu. How do you know you're not a patient? J'ai pas eu le temps de lire. Voir quand même si on peut pas rentrer dedans parce que si ça se trouve il y a un truc à récupérer. Ok, putain le pauvre type. Ah là là. Là, là, par où on va?
Leave for me. Je comprends pourquoi il est en pile en fait. Hein. C'est juste pour qu'on voit bien le fantôme, tu vois. Quand on va se retrouver nez à nez avec lui et qu'il va nous buter comme des merdes. Ah, troisième fois. Je pense que ce let's play il va être assez long quand même. Attends, j'ai pas envie de me laisser la fin. Bon. Il y a plein de sang ici quand il y a eu l'orage. Toujours pas de dossier à ramasser ni rien. Aller où là? Oh non! Oh non! Oh non! Trouvé. Oh non! J'aurais pas pu lui filer une torche ou je sais pas. Putain. Je sais pas du tout où il est. Je sais pas du tout par où faut que j'aille. Aucun passage. Attends, je vois pas du tout. Je suis protégé. Je peux du tout rouler. Changer ma batterie tant qu'on est parce que sinon. Allez, descend. Sauvegarde. On va suivre leur route, hein. Non, mais c'est par où le père Martin? Eh, c'est pas comme si on avait une carte sous les yeux, quoi. Je crois qu'on pourrait aller super loin. Non, on va là. Ouais, c'est moi ce que je visais. Il y a quelque chose, non? Que dalle. Gros porc. Comment je fais là? Tu m'expliques? On va faire un petit tour de manège. Et on va le bac. Cours, tête de gland. Putain, j'espère que c'est la bonne solution que j'ai trouvée. Oh là là, comme j'ai stressé. Ça va être par là. Ben non. Ah, c'est bon, ça s'est arrêté.
J'ai envie de respirer là parce que... Elle fait flipper le moment. Quelque chose sur le banc là. Pas le mur. Depuis à peu près deux let's play, il me demande de retrouver le père Martin. On va avancer. Pas tomber sur un guignol. Mais il est où? T'es dans la fontaine? Non, il est pas en train de nager. Ah, la fenêtre est ouverte, je me disais aussi c'était bizarre. Mais attends, il nous faut sortir pour rentrer. C'est une blague. Mais non, mais c'est une blague. C'est une petite musique stressante. You saw the wall rider, didn't you? You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way. Revelation is at hand. Ok, il m'a pris pour un con. Putain, mais il me prend toujours pour un con. C'était juste pour voir le fantôme là. En fait, on n'est pas du tout dehors encore. On est même très loin d'y être. Eh putain, ça va vous en faire des let's play là, regardez. Bon ben allez, moi je vais vous laisser sur ça, on se retrouve pour le prochain let's play. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé, et ciao tout le monde.